spécialement avec un monde, je prie avec Sœur Lou. Parce que demain, si Dieu veut, c'est anniversaire Sœur Lou. Amen. Sœur Lou, venez bon moment pour nous remplacer. Nous allons pas prier pour Sœur Lou, frères et sœurs. Amen. Sœur Lou, d'avancer, on va nous prier. Venez donc que nous allons prier ensemble. Si bon moment, demain, si Dieu veut, c'est anniversaire pour nous avancer. Yes. Notre Seigneur, notre Dieu, nous le devons dans notre ensemble pour que nous devons prier au Seigneur. Toute gloire, toute louange, c'est vous. Pour que tu soutiens avec lui, pour que tu mettes toute gloire, toute louange, c'est pour vous. Seul l'autre, il n'est pas chrétien avant le 7e jour, mais vous faites venir aux États-Unis, il rencontrer avec Jésus de Nazareth, il rencontrer avec le message adventiste. Et puis, il baille Jésus la vie, toute gloire, toute l'honneur, c'est pour vous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce nouveau printemps. Sœur Lou, après être en âge, et puis visage qui a un petit bébé. C'est parce qu'au grand dans la ville, ça souci. Dans les États-Unis, t'es qu'à faire semblant petit gros monde. Souci dans les États-Unis, t'es qu'à faire que si tout le corps est lâché pour que je travaille dur, pour que je connaisse le travail dur, l'assemblé au monde qui n'est pas fini. Mais le visage nous est la jeunesse marquée dans le visage. Merci Seigneur pour tout ce que vous. Merci pour tout couple qu'on vire avec les machines qui va chavirer. Merci pour petit client spécialement, merci Seigneur. Et pour ce Nicole qui est toujours avec nous. Merci au notre Dieu, notre Père, pour coup de main. Sœur Lou, t'es comme bailler l'église là, dans ton temps. Et merci pour coup de main. Sœur Lou, pour aller bailler l'église à Bioed au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'on va déjà retirer place, Sœur Lou là. Et vous montrez que place à la toujours là, seul ça pour le faire, c'est continuer vivre dans le pied au chaque sabbat au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je demande pardon pour ces nombreux péchés. Je demande pour vous faire une grâce spéciale. Ajouter foi dans ce ventre. Nous connaissons bien foi déjà, mais mal plus foi au nom de Jésus. Mal plus persévérance dans la vie chrétienne. Et que ce printemps capable de printemps béni, l'anniversaire capable de l'anniversaire béni, et que nous avons des fruits dans la vie jusque dans la vie éternelle. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Béni soit l'éternel. Amen. Béni soit l'éternel. Nous sentons présence de bon Dieu dans l'assemblée. Hein? Ce n'est pas moi qui besoin de dire nous, mais nous sentons ça. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur. Après plusieurs sabbats d'absence, nous revenons à la charge pour que nous soyons capables. Continuer parler de la part du Seigneur. Moi, saluez-nous tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ma petite, je salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Là, il faut me dire l'église là, mon témoin qui est là. I miss you, church. Ok. C'est comme si je viens de l'église là, tu passes la tête, mais tu n'as pas même son nom. Nous descendons chez nous et ça fait plaisir pour que nous puissions retourner ensemble encore et cette fois-ci et pour nous continuer avec la prédication de la parole du Seigneur, toujours dans le cadre de notre série. Est-ce que vous avez changé de thème, série là? Conduis-moi sur la voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On est ensemble, Psaume 139, verset 23 et 24, ça dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je dis, hein, nous allons considérer, yon parti que nous avons considéré déjà, retourner sous lui encore, qui c'est parti qui dit, regarde, je suis sur une
regarde si je suis sur une mauvaise voie. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous faisons confiance. C'est ça qui fait nous avancer, nous aller de ta part. C'est parce que nous faisons confiance. Nous faisons confiance parce que nous n'avons rien du tout. Mais nous connaissons les cieux qui voient nous, ou armer nous pour nous parler de ta part. Nous avons d'autant plus, Seigneur, pour que Saint-Esprit remplisse l'espace là. Et non seulement pour le remplir l'espace là, c'est pour le remplir chaque cœur, non. Pour que ça et ça peut le prêcher à tomber dans la bonne terre. Et pour porter fruit jusque dans la vie éternelle. Nous comptons sur vous. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Nous nous approchons vraiment de la fin de la série. Pour ce que je dis à ces sixième message en série. Et samedi, si Dieu veut, nous espérons, c'est pour le dernier message en série. Nous avons déjà considéré, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais en considérant le message, j'ai mis l'accent sur le verbe regarder, qui te montre donc que bon Dieu, quand il y a une inspection à la fin, n'a pas que n'a déposé. Mais cette fois-ci, nous allons mettre le cap sur le focus. Sur le mot, sur le terme, sur l'expression mauvaise voix. Est-ce que nous avons l'église? Amen. Mauvaise voix. L'expression mauvaise voix, on est venu dans l'Ancien Testament 17 fois. Mais l'homme est mauvaise voix. Ce n'est pas toujours le même mot. Utilisé dans toutes 17 fois, ça veut dire. Il y a une nuance, il y a une différence. Voix en hébreu direct qui précède de mauvaise, qui c'est un adjectif. Adjectif, ça a changé de temps à autre. Pendant 12 fois, le mot qui a été utilisé dans 17 fois, ça veut dire, pour mauvaise voix, c'est direct ra, qui veut dire mal, désagréable, malveillant, misérable. Ou abjoune ça dans Jérémie, ou abjoune dans Jonas, vous parlez des mauvaises voix. Mais ou abjoune tout dans 1 roi 13, verset 33, pour parler de la mauvaise voix de Jéhovah. Jéhovah qui te prend une mauvaise voix. Pourtant, la Bible a dit, malgré cela, un roi 13, verset 33, pourtant, il dit, malgré ça qui finit passé, Jéhovah a toujours été dans sa mauvaise voix. Ça veut dire, une voix mal là, une voix désagréable, une voix malveillante, une voix misérable. Après Derek là, on a joué Derek Rauchal, qui voulait dire voix criminelle. Et on a besoin de ça trois fois dans la Bible. Et on a besoin dans Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 18. Ézéchiel 3, verset 19. Et Ézéchiel 13, verset 22. Pour parler de voix criminelle. Donc, crime fois, on a besoin Derek Lotop. Derek Lotop, son mot composé. L'autobe là composé, c'est l'eau qui signifie une négation et tobe qui veut dire bon. Ça veut dire. Et on va venir dans Esaïe 65, verset 2, où il dit, j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie, dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées. Donc, Léo dit, mauvaise voie ici, direct l'autobe, c'est pour dire que le peuple a tenu une voie qui n'est pas bonne, une voie qui n'est pas agréable à Dieu. Mais dans notre texte, nous avons l'expression Derek Otseb ou Biotseb. Et c'est seul là que nous avons Otseb là comme 17e fois. C'est un nom idole. Otseb voulait dire action
idolâtre ou tendance idolâtre. En réalité, en profondeur, quand David dit regarde si je suis sur une mauvaise voie, c'est dire du Seigneur, gardez-moi si je n'ai pas des tendances idolâtres en dedans. Are you with me, church? La Bible en français courant, lui traduit verset ça comme ça. Seigneur, vois que je n'ai pas adoré de faux dieux. Ça veut dire, David allait beaucoup plus loin. En disant au Seigneur de regarder ses voies, la tendance de l'époque pour chez mes proches, c'était à le servir idole. À le servir Astarté, à le servir Baal. David dit, moi-même, je fais exception, Seigneur. Gardez, ou après, est-ce que moi, je fais un tout qui a marché dans l'idole? Je dis à nous de faire une approche de texte là qui porte vers l'idolâtrie. Et premier bagage, nous voulons mettre l'accent sur lui, c'est l'idolâtrie littérale. Le deuxième commandement, Exode 20, verset 3 à 5, il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Nous connaissons texte ça. On dit ensemble. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu. Soulignez Jaloua. Je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la miséricorde à ceux qui m'aiment. Je mets l'accent sur le mot jaloux. Une cause de divorce qui est fréquente, c'est la jalousie. Des fois, on en fait jalousie pour un bagaille. Comme ça, tout, on en fait jalousie pour un bagaille imaginaire. Est-ce que vous avez une assemblée qui voulait de qui ça m'a parlé là? Parce que, garçon, le plus souvent, je fais jalousie si je sentis un bagaille qui va marcher, ou un SMS. Yo, dit, what's going on? On est appelé madame le baby. What's going on? On est gardé madame mangeant. What's going on? Dis retourner madame moi a parlé avec un garçon. Qui ça veut dire à conseil l'église là comme ça? Bon, dis retourner madame moi après le pasteur. Qui ça veut dire pasteur comme ça? Je ne pas comprendre, toujours on appelle nous le indien. Mais mesdames, vous n'avez pas besoin de ça. Fia de Chita, imaginez que vous êtes trompé. Ou tel travail, vie ou vinyle, mais au jour. Bagala sorti dans l'esprit, bagala sorti dans le penseur, mais les tout le monde vous voyez, les tout commencez à marquer en Dakara, les tout commencez à vous dandir en Dakara, les tout commencez à vous faire des portes en Dakara pour que vous ouvriez. Grand monde, quand vous avez parlé, que vous avez obligé de parler en parabole. Et puis sort dans des arts, il va même voir pas dans rien. Son jalousie monte dans la tête. Et puis commencez le bonjour. Dans les cas de jalousie, soit Marie ou madame, non. Quand il faut qu'on y veille, qu'on collègue élevé. Et puis, il y a gardé un téléphone, il y a un téléphone dans la tête. Bleu, il y a crasé. Où est-ce que ce téléphone dans la tête? Mais qui est ce téléphone dans la tête? Hein? Donc, ce téléphone dans la tête, il y a fait ça. Bon, si c'est où il y a un téléphone. Et même dans la Bible, dit, bon Dieu, même qui parle, il dit, moi, il ne va pas pour lui, non, papa. Il dit, moi, l'Éternel, nous sommes des chats. Et nous commençons à réfléchir. Je ne parle pas de nous. Je ne parle pas de nous.
pas pour information à la base pour me faire venir salier là. Nous sommes renés avec lui, mariés avec lui. Nous n'avons pas passé que tout droit sur la vie. Qu'en est-il de Dieu qui prend pour la boue, lui balle fort, lui prend souffle qui sortit en dedans, lui mette en dedans, lui bon manger, lui bon de l'eau, la veille sous chaque seconde. Est-ce que vous ne pas qu'il doit faire jalousie sous vous? Bon Dieu qui doit nerver le garder. Lui, on laisse lui-même ou plus importance, on laisse lui-même ou adorer, on laisse lui-même ou exalter, ou à jeter, manger dans le couloir, ou à jeter, manger dans le cimetière, ou dans le bout de bois, ou dans le bout de mat. Est-ce que vous êtes là qui doit être là? Là, ça vous est ingrat, ou parce que je sais manger, ou pas manger. Amen, amen. Ou ingrat, ou parce que je sais manger, ou souffle de vie dans la roue. Ou ingrat, ou parce que vous ne pouvez pas attendre, c'est une forme qui choye, et puis vous venez dans le dimanche, ça vous le adore, ou faire comme si c'est idole là, c'est serpent, c'est trou là, c'est venu à adorer, bon Dieu, c'est pas d'accord avec ça pour nous. Yes. Et si vous bagaille à travers l'histoire de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, bon Dieu plus fâché à peuple contre l'idolâtrie, l'idolâtrie, à le suivre du commencement à la fin. Bon, depuis même la tombe de l'idolâtrie, bon Dieu qui te dit, même là, on va pas l'aise. Donc, comme ça le fait, il allait pour l'autre peuple, il fait même la vie, il calait Israël. Bon Dieu, je suis là, garde des gens Israël après. Et au compte qu'il est, bon Dieu, tout le monde Israël, c'est le peuple a crié à lui, et puis il a abandonné l'idolâtrie, il a vécu une vie. Même côté, on a compris, comme on dit, nous, tu vas l'appeler Pesoukou. Bon, là, il y a des gens qui me disent, papa, tu veux petit, non? On va faire ça encore. Et même quand il y a un petit levé, on dit, bon Dieu, faut-il lever pied, lui? Je parle avec un monde là, qui a fait un vieux bagaille, qui n'a pas mauvaise voie, qui n'a pas conduit. Pourquoi pas se désespérer, non? On sait pas ce qu'il faire, oui. Il y a des gens qui disent, crier, et puis tu sais, je ça encore. Même quand il y a un monde qui faut-il lever pied. Bon Dieu, pas donner les bagailles, il y a la triade du tout. Mais pasteur, monsieur Adventiste, monsieur Adventiste, septième jour, il y a questionné, il y a Bible, il y a chant. Donc moi-même, monsieur Adventiste, je suis chrétien mieux. Pour qui sont venus à la bagaille de la prière là? Bon, quoi, tu m'as privé? Je ne vais pas parler de la vie littérale. Mais là, moi, ici, je ne vais pas parler de la vie littérale. Pourquoi qui ça? Ou ça, quand tu sais vraiment ça ici? Comme on dit, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre rien, qui ont gardé jusqu'à présent. Yes. En pile recherche faite, en pile réflexion faite, en pile considération faite, pour arriver à une seule conclusion. Débousser haïtien. Vous devez mettre les baptistes, les adventistes, baptistes, pentecôtistes. Vous avez un ancêtre, une famille, quand même, qui te sert déjà. S'il va prêt, il est loin quand même. Mais là, et il est très facile, même dans la congrégation, nous, pourtant, dans le monde, quand elle dit, c'est moi qui ai 29 ans, il est pas une attaque, il n'est pas de jeu, c'est moi chrétien. Ça, ça veut dire. Moi-même, mon n'a pas eu le sabbat, nous faisons sans souffle. Certainement. Nous la connaissons. Nous ne pouvons pas manger de la congrégation. À un certain niveau, je dis qui ne dit mon consent. Quand on va passer dans la famille, ou la famille ensemble avec la famille, mais tout le monde lave, nous ne pouvons pas des corps, nous ne pouvons pas nous regarder. Ou qu'on ne pas regarder. Ou qu'on est dans la famille, nous ne pouvons pas nous regarder. Qui ne dit pas? Je parle de l'idolâtrie littérale, et je suis très sérieux sur ça. Entendez? Il y a un gars qui a parlé dernièrement avec un pasteur qui est très populaire. Il dit, vous-même, vous êtes pasteur, mais vous êtes pasteur, vous êtes bon quoi avec. Et puis il dit, c'est là où attaque en famille, on a connu ce pasteur tout bon. Et puis Paul, ça fait me réfléchir, parce qu'en réalité, il y a des gens, quoi que dire, c'est Adventiste du 7e jour. Ils sont dans l'église de Dieu.
bon niveau regarder nous bagarre la cap qui ont la Samaritis yo bagarre la chavirer dans même me dit l'Éternel mais moi même moi et m'entendez bon monde qui dit question mystique sans mystique ou régler ça l'évangile problème l'évangile mystique problème mystique. Un chrétien qui sert Dieu, qui fait mon Dieu confiance, il n'est pas à parler comme ça. Parce que si vous êtes mystique, c'est l'Éternel des armées qui mystique. Et où est ça? Pas qu'il y a quelqu'un qui nous retire notre tête. Il faut ferme sur ça. Pas qu'il y a quelqu'un qui va le garder pour vous. Pas qu'il y a quelqu'un qui va le garder. Chaque chose qui est sous tête, qui tombe sous épaule, et puis j'entends des choses dans la famille qui a passé. Pas d'accord. De mon prochain qui mouille et puis mon cousin qui relève mon cousin ou nous quitter famille dans passé tant que son fusible pour question l'évangile nous comme si lui mettre boulet mais pour la vérité nous pour l'évangile nous nous met quitter le boulet nous met quitter le mourir et il me garde monsieur me dit m'pas ouais tant que son fusible mais si c'est pour soi ouais nous même bon Dieu grand monde fait ça le monde dans passé le passé bon Dieu ouais. Moun ki kotoye am c'est moun Léon Gan papa. Moun ki kotoye am c'est moun Latibonite papa. Moun ki kotoye am c'est moun Jérémie papa. Vous connaissez moun Jérémie pas joué. Vous connaissez moun Latibonite pas joué. Je prêche vous de la chair parce que c'est pas moun m'a veillé, c'est pas moun connaît pour tirer point. M'a prêché parce que c'est la parole de Dieu. Sous chrétien ou bon petit livre dans mes ou appli cap initiation à la magie la palau ou chrétien l'église ou mouchoir la palau chrétien l'église ou bon bouteille la palau sous chrétien l'église ou c'est massologe ou ange corps soit comme sur l'église soit comme diable l'église soit comme foi l'église ou non massologe ou vine là m'sou dit m'sou ou c'est mon satan qui raille. Amen, amen, gloire à Dieu. Parce que si on est dans l'église et qu'on va faire l'œuvre du diable, ou carrément en contact avec Lucifer, ou qu'on seul bagaille, ou qu'on va le faire violer, chercher bloquer le travail de Dieu. Ou pas qu'à participer là-dedans pour le porter fruit. Parce que c'est pas travail de mettre pour là ça. Et si pas travail de mettre pour là ça, on va chercher contre le carré. Et même tout ça. Au nom de Jésus. Si tu as bagaille au monde comme ça. Ou c'est mon Satan qui l'a eu parce que Satan t'a campé en face de Dieu. Il prend calotte, il prend coup de pied, il prend bon jambé qui tape. Il passe dans le calotte, même quand il a perdu connaissance, l'ouvre, j'ai l'ouvre, c'est sur la tête. Et puis, où vous le mettez en face là, bon, lui-même qui ne m'a pas frappé, et puis pour lui mettre en face, là, bon Dieu. Les gens, même des bon Dieu, passent avec une poussière, il n'y a pas besoin de rentrer. Si tu es d'une certaine manière, à n'importe quel niveau, tu entends ce message, mais tu t'inities à la magie, stop it right now! Parce que ça, c'est une voie de destruction. Pour ne pas jouer avec, c'est pour quitter, pour convertir au nom de Jésus de Nazareth. Je t'écoute et la convertir au nom de Jésus de Nazareth. Dans la Bible, la Bible dit, Galates 5, 19, 21, les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, impureté, dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, puis côté de l'inimitié, les choses semblables. Et puis il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Point le royaume des cieux. Ou l'église vont bien dans le dehors. Ou des gens qui regardent pour vous, qu'on a loin tout. C'est la Bible qui dit. Parce que ça fait pour le capable de faire il va pas dans le ciel là. Il faut qu'il boit des bananes. Même si Galaxie, verset 21, comme boit des bananes. Ou pas dans le ciel là, les missions. Bon, à ce moment-là, pas que je ne pas Galaxie, verset 19 à 21, il y a Apocalypse 22, dernier livre. Dernier chapitre là. Apocalypse 22, 15, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Dehors, d'assaut même pas contre eux. Can I preach? Après l'idolâtrie littérale, considérons maintenant l'idolâtrie symbolique. Gagnez une forme d'idolâtrie qui est plus subtile,
qui consiste à élever une chose ou une personne à la première place dans notre vie. À la place de l'amour de Dieu. L'amour immodéré de certaines choses, bien dit oui, immodéré de certaines choses, l'irrité, tout simplement, idolâtrie. Tout bagaille qui prend place, bon Dieu, dans le cœur, carrément, son idole. Yes. Il y a un bagaille. Tout ça pour le caillou. Sous béré ma roue tellement que le prend place, mon Dieu, dans la roue, ma roue là, son idole. Yeah. Biwe. Parce que il n'y a pas fait un mal. Il n'y a pas fait un fait. Il n'y a pas fait un bois. Ou pas besoin d'accord, ou pas besoin de vouloir admettre que son idole. Mais son idole humaine. Yeah. Attention. Madame, petit, tu qui tellement béré, petit, mes amis. Bon, si vous voulez, vous avez un petit peu de café petit, vous avez un petit peu de café petit. 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 Vous avez un prince. Depuis que vous avez passé devant, vous avez place dans Dieu, son idole. Yes. Une fois, vous avez une télévision par là qui est idole. Une télévision. Une idole. Yes. Vous avez un job. Quel est le but? Gon moun son job qui s'idole pour Jésus. Parce que pour job ça la baignotte pour job ça la trahi moun comme dit on qui assume pour une femme petit job ça là pour job ça moun n'a prêt pour désobéir directement à une parole de Dieu qui dit souviens-toi. Tu joues du repos pour le sanctifier, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pardon, tu as dit, mais moi, étranger, je suis là, calme. C'est pour du courage, pour dire. Moi, je suis chrétien, avant 17e jour, je suis là, calme. Dans le sabbat, même si l'église m'a allé, dans le sabbat, je suis reposé, ou même tout, je suis reposé dans le sabbat. That's my condition. And that's fair. Sous ka vini, vini, ou pas ka vini, ou pas force. Mais de vous dire là, songez que ça, son caille adventiste du 7e jour, c'est sabbat nous ouvre là-dedans. Quoi la même nouvelle là? Amen! M'a pas dans le sabbat et nous-mêmes, ou après qu'on garde vieux sucre dans le sabbat, nous caille rien. Non! M'a d'accord. M'a pas dans le sabbat et puis nous-mêmes, ou après qu'on passe la musique lourde dans le caille rien. M'a d'accord avec nous ça. Parce que bon Dieu dit, ni l'étranger qui est dans. Si c'est là qu'on vient, ok. Mais si c'est où vient la caille, tu t'y conformeras au nom de Jésus de Nazareth. Mettre pour l'autre level. Mettre pour l'autre level. Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Les îles de Colossiens 3, verset 5. Les îles même bagala tout dans Éphésiens 5. Soit le verset 3. 2 ou 3. La cupidité, c'est une idolâtrie. Et d'ailleurs, en parlant de la cupidité comme idolâtrie, ou comme qui ça, Jésus dit, Jésus Capel dit, quel monde n'a pas servi de mettre à la fois. Thank you very much, sister. Ou pas qu'à servir Dieu et maman, le Dieu de l'argent. Ou pas qu'à servir bon Dieu mon côté et pour servir l'argent en même temps. Comme on qui tellement remet l'argent vient tourner deuxième mon Dieu là. Et bien, on qui tellement remet l'argent vient tourner premier mon Dieu. Mon n'a pas touché, mais l'argent n'a pas été piquant. L'argent n'a pas d'odeur, n'est pas de vieux bagaille sale, nous jouons. C'est pour me faire. Nous sommes docteur Sénéca prêché. Il dit pour un chrétien, avant du 7e jour, mon qui conséquent, chemin l'argent qui est plus qu'en paix. Que l'argent qui est sorti, l'argent qui sorti. Faut d'accord que l'argent, même s'il tombe dans mon bac à manger. Parce que si c'est zéro, pour me faire tourner neuf, pour me faire de l'argent, ça, je devais mourir comme vous.
Le dire est une chose, mais l'appliquer, c'est en être une autre. Parce que des fois, ils entendent même si les bagailles sont pas bon pour nous. Et ils vont l'argent, ça va. Ils vont attaquer une petite condition légèrement. Vous comprenez? Ils ne font pas trop blanc, ils ne font pas trop noir. Ou quand ils vont manger, ils vont dire qu'ils font une bagaille à toi. Ils vont dire qu'ils font une pastèque, ils vont dire qu'ils font une bagaille à toi. Ils vont dire qu'ils font une bagaille à toi. Ils vont dire qu'ils font une bagaille à toi. Et puis, ils vont prendre l'argent ou tout commencer à couler l'argent. Et ils vont compter mon arrivé. Ce n'est pas où elle va avoir l'argent, vient sale maintenant. Mais elle dit, nous déjà là. Pourquoi tu ne sais pas quand même déjà là? Et puis si tu nous ouvres joli, faut où ça va. C'est pour la gueule à terre, pour dire moi, il s'est sauvé, et pour péter la couille. Can I preach? Attention avec l'argent. Nous allons dire dans 2 Corinthiens 6, 14, 16, 14, 16, ne vous mettez pas. Oh, est-ce que vous prêchez l'évangile là? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel parle fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport, papa, t'es que ça mauvais, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis, quelqu'un qui dit tout, that's nothing. Moi, je n'ai pas l'église, même l'église, je ne peux pas le prendre. Dieu, tu as dit, rapport. C'est ça. Vous avez dit, oui, je n'ai pas de magie, mais il y a même bagaille. Pas de rapport. Si ou allez. En tant que peuple de Dieu, ou à mélanger avec un peuple païen, c'est tout dit pour Dieu Seigneur, lui qui a mélangé à Bélial tout. Et bon Dieu dit, je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas mélanger. Banane avec banane, mango avec mango, patate avec patate, lion avec lion, tigre avec tigre, moun avec moun. Chrétien avec chrétien, amen. Amen. On a dit, amen, non, fais pas. Amen. Idolâtrie symbolique. Idolâtrie symbolique. Et Samuel 15, 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Bon Dieu qui a parlé avec Saül, Samuel qui a parlé avec Saül pour lui dire que bon Dieu rejette, mais il dit Saül où est la désobéissance. Les mêmes gens avec un monde qui a fait magique, les mêmes gens tant pour son monde qui a fait expédition, les mêmes gens tant pour monde qui a mis de l'ail pour son calbasse, si fait rouge dans le fouillon, ou même gens avec un monde qui a pris les mauvais esprits. Et puis pour mettre l'accent et le focus, il dit la résistance. La résistance. Les mêmes gens qui sont des gens qui sont idoles devant le calabou. Une fois, moi, je m'avais dit tellement résistant. Nous m'avons rendu compte que nous sommes sur un terrain de l'âtre. Bon Dieu dit non, on dit oui. Bon Dieu dit non, on dit oui. Bon Dieu dit non, on dit oui. Mais on va résister. Ou même gens avec un monde qui a servi idole. Pendant que vous avez dit oui, pas adoré, mon mari, pas adoré. C'est la loi. Pourquoi vous avez dit oui, 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 vous avez dit oui. Oh Seigneur, retirez toute résistance dans la vie. Retirez résistance dans la vie, Seigneur. Vous me dites, vous me soumis, vous me dites la soumission, Seigneur. Des fois, nous avons fini de rentrer dans nos relations, ça va aller. En équalioque. En équalioque, yes. Et vous sortez de là. Mon a dit, ah, il n'y a pas chrétien, mais je m'aime. Et vous avez dit, bon, je vais quitter avec moi la vérité, mais il n'y a pas fait mal. Donc, posez une question, ça va dire des faux. Parce que la Bible a dit, Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton âme. De toute ta force et de toute ta pensée. Si, amen, dis amen. Amen.
Mes amis, on va considérer maintenant une porte ouverte sur l'idolâtrie. Une porte ouverte sur l'idolâtrie. Nous allons voir l'idolâtrie littérale. Nous allons voir l'idolâtrie symbolique. Maintenant, voyons la porte ouverte devant l'idolâtrie. Et bien entendu, 1 Corinthiens 10, verset 7 à 8 dit, ne devenez point idolâtre, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 tombés dans le premier jour. Qui côté bagala a commencé? Bagala a commencé avec une porte qui l'ouvrit sur l'idolâtrie. Et cette porte ouverte sur l'idolâtrie, l'irélé, l'impudicité. On a appelé Balaam, Balaam a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Tout ça, ils ont fait, tout côté, ils ont passé, ils n'ont pas à jouer le peuple là. Au contraire, malgré Balaam, il y a l'argent, les paroles qui sont dans la bouche, c'est paroles qui arrivent tout bon. L'église, au lieu, les maudits, le peuple là, se garder, regardez, ouais, c'est béni, la béni, le peuple là. Mais un bon qui aime l'argent ici, là qui était fini, monsieur a joué Balak, petit Balak, nous jouons Jean pour nous, bon sous peuple là. Attendez, une seule façon pour nous jouer des peuples là, c'est faire servir faux Dieu. Et bien en contact avec faux Dieu, il y a adoré faux Dieu, regardez, vannes là, appelons nous vouer pour nous frapper. Et bien il dit, qui ça va faire pour nous mener à adorer faux Dieu, parce que pas facile, j'aime le peuple là, rien mon Dieu là. Et puis Balak dit, pas inquiète. Nous allons prendre ce matin avec Kido, nous faisons des films devant ici. Ta fille a nommé où? Invitez au bois, invitez au danser. Diversion! Ça concrète, c'est pas qu'on a une petite diversion. Tenez bien! Gain divertissement, c'est un. Quand tu as une fleur, ça t'a présenté pour la tirer, pour le mettre, on l'a côté qui est la tête. Et ça qui fait, et pas tout film en chrétien, vous regardez. Bon, même quand mon côté me couper et abonnement Netflix moi-même. Parce que mon c'est de bagaille. Ou pas envie de garder bagaille et de monter sur le grand fa. Ou regarder. Pour initiation à la magie. Absent dans le film sans problème. Parce que vous êtes acteur. Parce que vous n'êtes pas le même. Parce que vous n'êtes acteur. Et puis il faut bagaille magique. Et vous dites, regarde une bagaille belle. Divertissement. Et puis sur le nous voyons le dessiné. Mais ma diane est oubliée. Et puis, il dit ma diane fait 2 ou 5 en alphabet. Et puis, sortant de là, pendant la danse, c'est comme ça. Ils entrent dans l'impudicité, ils entrent dans le débat sexuel. Et puis, devant les faux dieux, il y a un autre réflexe que adorer le faux dieu parce qu'il y en a là. Et puis, la Bible a dit c'est pas ma diane qui frappe Israël. C'est pas Amalek, c'est pas quelle façon. C'est bon Dieu même qui faut collecter, nerver, qui trouve 23 000 seuls jours. Bagay la parle campé, c'est l'air de serviteur qui dit ça qui a passé là. Quoi, il qui rentre avec mon jeune fille que les Cosby à Balpéo, il rentre en tant que là. Et puis pendant tout le monde a chanté gloire, Dieu devant nous, nous avons sanctifié la vie. Et puis les gars avec mon forme dans tant que pour le frapper, puis soit même là, les gars les pour un épée, un sabre, il fourré en dedans, ni garçon, ni fille, ni faire au fond seul. Il va te dire, waouh, I like that. Au moins, monde qui campe pour moi. Au moins, monde qui campe pour moi. Et bon, je dis, ok, ma campe est là. Mais vu toi, les gens qui sont mourus, parce que tu es tombé dans l'idolâtrie, ça fait tomber dans l'idolâtrie, c'est l'impudicité. L'impudicité, au point de vue en grec, la fornication, englobe tout vieux péché sexuel, tout vieux débauche sexuel. Je parle avec jeune fille, avec jeune garçon. Ce n'est pas là nous sommes grands, nous avons notre trentaine pour nous tenter l'évangile. C'est pour nous tenter pendant que nous avons 15 ans. C'est pour nous tenter pendant que nous avons 14 ans. C'est pour nous tenter pendant que nous avons 18 ans. Parce qu'à ce moment-là, il y a 12-14 ans après, grand monde nous avons connu eux-mêmes. Ils nous sont dit pour nous dire son pote qui l'ouvre pour idolâtrie. Lorsque vous tombez ou entrez, vous avez la fornication. Ah,
D'ailleurs, sous-soumis, à regarder, on pourrait que Salomon, l'homme le plus sage, on équipe à la côté, on est sage, on est sage, on est sage, ni sagesse, ni richesse, ni gloire. Salomon, on est consacré dans son niveau. Il s'est abaissé à adorer les idoles, à sacrifier son fils pour le Dieu Moloch. Comment ça peut arriver? Regardez, 726 pour femmes. 300 concubines, on pas qu'être étranger, on vient avec les idoles. C'est mari, nous, on pas qu'être dit mal à les idoles, ça là. On a fait tout le bagage ensemble, et puis pour nous, on pas faire 600 ensemble. À nous faire 10 idoles là ensemble. Salomon manque peine. C'est bien tard au soir de sa vie, Salomon vient répondre. Dis-moi son Salomon à la tête droite, en fait. Avec toute sa sagesse, avec toute sa compréhension de Dieu. L'homme vient avec le proverbe ecclésiaste. Le sexe, c'est l'arme la plus puissante utilisée de nos jours par Satan pour détruire la jeunesse. Et pour qui ça le fait ça? C'est parce que le temps dès que le message là va l'achever par la jeunesse, l'affaiblit jeunesse là. Il fait le jeune un sexe gratis, un sexe facile, ni pour fille, ni pour garçon. Il fait le jeune un sexe, même si par un par qui toi le joue avec un garçon, ou bien tu as une fille ou qu'a fait l'un de la chambre avec un nobody will know. Parce qu'il veut essayer de te filmer. Et ça qui fait le mouvement LGBT qui plus AATTSS là, son gars qui rôde satanique. Si nous avons des yeux spirituels pour moi, nous avons la main de Satan derrière chaque homosexuel qui a fait prouesse, qui a fait défense des lois pour LGBT. Yes. Yes, sir. Fois qu'on regarde dans la Bible là, vous attendez que ces deux bagailles, bon Dieu dit, pour nous fuir, fuir, ça n'a pas campé. Vous attendez, bon Dieu dit, résister au diable. Ou attendez, il dit résister à Satan, à Pierre, avec Jacques. Ou attendez, la parole, résister au diable. Depuis Satan vient à consigner à son résister. Mais il y a deux bagailles. L'on joint dans la Bible. La Bible a tout. C'est pour 10 pieds. Sans danger. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 16, 6, verset 18. Fuyez l'impudicité de la raison. Depuis nous l'autre couche. Mon ami doit mon chemin de mon côté, mon Dieu son petit prière va faire couche. Mon ami doit un petit mouche, ça va avec les chiens, ça va avec mon cher. Courir. Même genre avec la fornication. Si vous voulez la quitter dans la débauche sexuelle, si vous voulez la quitter, qui t'a fait arriver loin ou bien qui commence. Ma soeur, tu me dis, attention, madame, vous avez pitié. Tu sais, fais une grâce, râle-même. On va me mettre au fond. Parce que vous pouvez arriver seul à la gare qui sait faire la volonté de Satan. Je termine avec un quatrième aspect de l'idolâtrie. Nous prenons idolâtrie littérale. Nous prenons idolâtrie symbolique. Nous prenons une porte ouverte sur l'idolâtrie qu'on y en a pas. L'idolâtrie cachée. L'idolâtrie cachée. David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Le si ici, ce n'est pas le si du doute, mais c'est le si de la conscience. Ce que le psalmiste ne connaît pas, et ce si, c'est le si de l'humilité. M'pata quand même me dit, m'pata l'idolâtrie en dedans. Pas qu'à camper comme ça. La Bible a dit, si on nous dit pas de péché, ils sont menteurs. Cœur pour ou pas pour le cœur de ton cœur. Ou qu'à ancien, et vous pouvez de la un don qui va manger un fouette. Ou qu'à prédicateur, ou qu'à pasteur, ou qu'à diable, ou qu'à directeur de la porte, ou qu'à secrétaire de l'église, ou qu'à tout raisonnier, ou qu'à vous qui est plus belle voix de l'église, et vous pouvez de la qui a caché. Jean 2, 15 à 17 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans
quand le monde t'arrive, convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais songez que nous sommes dans le monde. Si nous sommes éponges, nous plongeons dans le monde, là, nous prenons toute l'eau, tout le jus dans le monde, là, la bande. On se façon pour nous tailler pour idolâtrer le monde de barbe dans nous seulement si nous sommes imperméable. Et qui est-ce qui a dit je suis totalement imperméable dans le monde? Yes. Ça qui fait avec humilité dans le psaume 19, le psalmiste dira qui connaît ces égards? Pardonne-moi ce que j'ai. Nous avons campé nous disons même une fête. Une fête dans l'évangile. Papa m'a dit année 41 ans depuis l'évangéliste a prêché l'évangile. Je l'ai dit, je grandis dans l'église. Je ne vais pas comme ça non. What I can. Et je dois m'humilier pour dire, Seigneur, qui connaît ces égards? Pardonne-moi ce que j'ai. Des fois, nous avons tendance à nous dire que nous avons la cause. C'est grand-papa, grand-mère, nous qui font des choses depuis longtemps. Nous avons fait des choses avec nous. Nous avons fait nous choses. C'est les autres qui font nous allons prier ensemble. Nous avons avancé juste devant nous. Nous allons juste prier ensemble. Comme dit Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je ne suis pas idolâtre. Si je ne suis pas idolâtre. Et son amour, ça souffle et fait une grâce, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous allons chanter ensemble le numéro 23. Numéro 23. Seigneur, toi, regarde le flamme, il est couvert, il est caché. Après ça, ma force est brillée, mon Dieu. Parlez dans le cœur. Seigneur, moi-même, papa, je suis idole à la place en bas, je fais une grâce. Seigneur. De ce jour. Vous parlez avec nous profondément.
Son message déraciné pour bon nous là. Ou fait nous connaître que ou pas cancer collé à Zidon. Mais Seigneur, en tant que haïtien, descendant d'Africain, nous connaissons comment réalité à elle, nous voulons camper pour nous dire nous-mêmes, nous avons choisi quelque chose d'autre. Nous avons choisi une autre voie. Nous avons choisi un autre chemin. Nous choisissons Jésus de Nazareth. Nous pas choisi loi, nous pas choisi Jean, nous pas choisi Dune, nous pas choisi un et d'autre. Ça nous choisit, c'est le chemin qui mène au ciel. Et le chemin qui mène au ciel, ce n'est pas une route, mais c'est une personne qui est Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous demandons pardon pour à chaque fois que nous décédons à des tendances idolâtres. Que ce soit littéral, symbolique, ou bien que ce soit un bagage caché, ou bien que ce soit ses propres idolâtres, nous l'ouvrons carrément pour la vie nous vaille à des mots. Nous demandons au Seigneur pour capable pardonner nous, pour capable laver nous, pour capable purifier nous. Seigneur, il y a des gens qui étaient gros, qui étaient pour manger, ou pardonner nous. Ça veut dire, si nous-mêmes nous avons des tendances idolâtres, nous étions croire avec assurance que nous avons pardon tout au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de nous passer par dans la vie. Regardez pour est-ce que si on a la vie, nous allons gagner idolâtrie qui a dansé, qui a dormi, ou étirer le monde. Comme là, peut-être que la famille te fait alliance avec le diable et puis le bon bagage dans le cap, tout mentir tout le temps. Nous déclarons c'est pour tout bac, tout diable, la sienne capable de dehors. Ni dans la vie de nous, ni dans le pot Kaili, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bon monde, peut-être que vous marrez un côté en Haïti, dans quelques bouteilles, quelques mouchoirs, dans le whatever. Côté vous marrez là, c'est pour zone, ça prend du feu au nom de Jésus de Nazareth. Agis en nous et donne-nous d'avoir des cœurs totalement consacrés à toi pour nous aimer un jour de là, à tout âme, à toute force, à tout l'esprit, à tout être nous. Fais-nous grâce et bénis-nous, Seigneur. Nous prions comme ça au nom de Jésus, le divin qui règne au ciel des cieux. Amen.